Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo rapide. J'ai pas de perche et j'ai pas la GoPro avec moi. Et je devais faire juste un petit nid de guêpe. Et regardez sur quoi je tombe. Un nid de frelon européen, mais vraiment très mal passé. Regardez, on voit derrière cette planche qu'ils ont bouché le trou. Donc vous voyez, il y a une pelle, il y a un rotofile. Et ils se sont servis du rotofile pour boucher le nid. Ça reste plutôt impressionnant. Et à côté, ça, j'ai l'impression que c'est une table pour une petite table de massage, un truc comme ça. Et en fait de compte, le nid il est là, tout le dessus là. Donc ça reste plutôt impressionnant. Et l'entrée principale, elle est là. Donc là, il y a des frelons qui arrivent. Se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Dédé Frelon fait par là. Salut petit frelon. Donc ça reste quand même hyper dangereux, on est dans une cabane de jardin. Voilà, donc les gens ils bougent quelque chose, ils prennent le rotofile et sans voir qu'il y a qu'il y a un morceau de nid, et c'est dangereux. Des frelons ils arrivent. Et qui se pose sur moi, qui m'attaque un peu. Voilà, ça travaille. Donc on va mettre la poudre à l'intérieur. Et après on va regarder comment ça se passe. Alors désolé, j'ai pas de perche, j'ai rien du tout. Je fais ça à l'arrache. Donc on va attendre un petit peu. Là on entend bien le bruit, que ça travaille à l'intérieur du nid, ça a été touché. On voit bien la pose sur le frelon, vous voyez qu'il commence un peu à se nettoyer. Et à partir du moment où il se nettoie, alors aussi avec les ailes, quand il bat les ailes, c'est possible de faire partir la poudre sur eux. Et automatiquement, ils en envoient sur les autres. Donc c'est bien pour ça que on va essayer d'enlever la planche devant. On aura sûrement un accès au nid, en espérant ne pas tout casser. Collez-vous entre vous, c'est très bien. Donnez-vous un peu de poudre. Quelques attaques sur moi, vous le voyez pas, mais je vais essayer de me filmer un peu quand même. On regardera, on fera du montage. Là, le signal a été envoyé. Et le signal a été envoyé, donc il y a des frelons qui arrivent. Il y en a qui tombent par terre. Allez, on va essayer d'enlever tout ça. On va enlever ça déjà. Alors le mieux c'est peut-être d'enlever le rotofile. Ça tombe, ça y est, ça tombe là. Regardez. Regardez où ils ont fait les galettes. Ah.
les sentez souffrir. Ah, une fondatrice juste là. Il se cache. Alors vous voyez, c'est un siège de voiture en fait de compte. C'est un siège de voiture et il y a un petit creux dans la mousse et ils ont fait le nid à l'intérieur. Tous les déchets sont là, on va le retourner. Il est tout neuf en plus. Regardez-moi ça. Il ne faudrait pas qu'il tombe, voilà. Bon, ça vous permet d'avoir de belles images. Hein. Allez, on va remettre un peu plus de poudre. À l'intérieur du nid, parce que là, bon, il faut que ça s'élimine assez rapidement. On remet le nid juste ici. Et maintenant, on va laisser les frelons revenir au nid. Bien entendu, le client doit faire attention de ne pas rentrer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Rapide, filmée à l'arrache avec le téléphone, sans perche, rien du tout. Ben voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les bébés. Abonner à des défrelants. Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Des défrelants.